aujourd'hui je vous retrouve pour le tag que préfères-tu, que j'ai vu sur la chaîne de Selon Ellie, que je vous mettrai là, ou les deux. Question numéro 1, tu préférerais ne porter que du maquillage sur les yeux ou sur le teint? Ça commence bien. Je dirais que sur les yeux parce que j'ai une voix, on dirait un adolescent qui est en train de muer. J'adore être malade. C'est génial. Je dirais que sur les yeux parce que parfois ça m'arrive de sortir sans fond de teint. Merde, tant pis. Je préfère avoir des yeux agrandis ou bien un regard plus profond que le teint parfait et puis avoir des yeux de mort quoi. Donc voilà, je dirais les yeux. Question numéro 2. Tu préférerais avoir tout le temps les cheveux secs comme de la paille ou gras comme du beurre? Étant donné que j'ai déjà les cheveux secs comme de la paille, je dirais sec. Parce que gras c'est juste non. C'est non. C'est... 3. Tu préférerais faire des vidéos de taille normale sans le son et les annotations ou des vidéos de toute petite taille mais avec le son? Oh mon dieu. C'est quoi ça? Tu préférerais faire des vidéos de taille normale mais sans le son? Bah je dirais de toute petite taille mais avec le son. Parce que ça m'énerve quand je regarde des vidéos et qu'on n'entend rien du tout. Je préfère à la limite que le son soit trop fort que pas assez. Et du coup je suis collée à l'ordi comme ça pour entendre et ça me saoule. Donc je préfère que la vidéo soit plus petite avec le son que grande et sans le son. Oh j'ai dit beaucoup de fois son. 4. Si tu avais 1000 euros à dépenser, tu préférerais acheter des vêtements ou du make-up? Sans hésiter, des vêtements. J'adore le maquillage. Je pourrais en bouffer tellement j'adore ça. Mais les fringues c'est vraiment mon truc de prédilection quoi, donc 1000 euros c'est clair que je vais chez New Look, que je prends toutes les chaussures et tout, parce que chaussures ça fait quand même partie de fringues, je triche un peu. Donc voilà. 5. Tu préférerais ne plus pouvoir regarder aucune vidéo sur YouTube mais pouvoir continuer à en faire, ou ne plus faire de vidéos mais continuer à en regarder? Oh non, ça c'est horrible. Ah mais j'adore tellement regarder des vidéos que je crois que j'arrêterai de faire les miennes. Ouais. Bah écoutez, je crois que je ferai plus les miennes et je continuerai à regarder celles des autres. 6. Tu préférerais ne plus jamais porter de sous-vêtements ou en porter des trop petits? Non, c'est une blague en fait. En porter des trop petits? Bah ne plus... Non mais c'est dégueulasse aussi de pas porter ce... Oh non là je mets un joker, hein. T'en déconner. Ne plus porter de... Ou en porter des trop petits. En plus c'est moche quand... C'est horrible. Des trop petits. Bah de toute façon des trop petits on peut pas rentrer dedans s'ils sont trop petits. Ouais je dirais plus en porter mais c'est des... C'est horrible. Mon dieu la meuf elle s'affiche sur YouTube. Tu préférerais avoir des sourcils très épais que tu ne peux pas épiler ou n'avoir ou avoir qu'un seul poil et les redessiner? Un seul et les redessiner direct parce que je trouve ça trop beau les sourcils redessinés. Donc ouais non, direct. 8. Tu préférerais ne plus jamais t'épiler le maillot ou les jambes? Non mais ça c'est, je sais pas qui est-ce qui a fait le tag mais c'est horrible quoi. Le maillot ou les jambes? Donc, selon mon raisonnement, il y a plus de... Admettons, je vais à la piscine ou à la plage où je porte une robe, une jupe ou n'importe quoi. Il y a plus de gens qui vont voir mes jambes. Donc, je serais tentée de dire les... Enfin, c'est quoi la question déjà? Je serais tentée de dire épiler les jambes seulement. Mais le maillot, s'il te plaît, quoi, c'est dégueulasse. C'est... Est-ce que... Oh, les jambes ou le maillot? Bah, j'arrêterai d'épiler les jambes, je crois. Mais c'est dégueulasse. Ouais, j'arrêterai d'épiler les jambes. 8. Tu préférerais ne plus jamais utiliser de produits MAC, mais tu peux les autres marques, ou n'utiliser que du MAC pour toute la vie. Je dirais, j'arrête le MAC et j'utilise toutes les autres marques pour toute la vie, parce que j'utilise pas forcément beaucoup de MAC. Donc voilà, le choix est très simple. Tu préférerais ne plus utiliser qu'une seule couleur de fard à paupières à vie,
ou n'utiliser qu'une seule couleur de rouge à lèvres à vie, je dirais une seule couleur de rouge à lèvres et je prendrais le rouge. Parce que le rouge, ça va tout le temps avec pratiquement tout. Ouais. Donc un seul rouge à lèvres. Ensuite, tu préférerais avoir les ongles vernis en permanence avec une couleur sombre ou une couleur vive. Et tu préférerais mettre du vernis normal ou pailleté à vie. Donc je dirais une couleur sombre parce que j'adore les couleurs sombres et que ça va toujours tout le temps. Tout simplement. Et je dirais vernis normal parce que j'adore le vernis pailleté mais à petite dose quoi. À vie, je crois que je me coupe les doigts. Hein, j'en fais des saucissons, je sais pas, je vais les faire cuire et je les bouffe. Mais non, des paillettes tout le temps, franchement, je pourrais pas. Donc, vernis normal. Tu préférerais mettre pour une soirée des moon boots avec une robe ou des Louboutins avec un jogging? Louboutins avec un jogging, juste pour tester. Franchement, il y a des défilés où ils ont fait ça, où ils ont mis des super mannequins, des top modèles et tout avec des joggings. Enfin, c'est devenu une mode bizarre. Donc, ouais, jogging et Louboutins. Tu préférerais avoir des dents jaunes mais avoir une peau parfaite sans aucun défaut ou avoir de belles dents blanches et la peau dégueulasse? Je dirais que mes dents elles sont pas forcément très blanches, elles sont pas non plus, elles sont pas jaunes, elles sont pas blanches, enfin elles sont pas super éclatantes. Donc je dirais avoir des dents, ah ouais mais des dents jaunes là ce serait vraiment jaune jaune. Oh c'est dur. De belles dents blanches et une peau dégueulasse. Ah non, non, franchement je crois que je préfère avoir des dents jaunes et une belle peau. Parce que la peau c'est super important quoi. Non, j'irai les dents jaunes. Ah c'est horrible mon dieu. Tu préférerais avoir un visage qui brille toute la journée ou avoir un gros bouton sur le front à vie? Le visage qui brille toute la journée puisque de toute façon j'ai déjà la peau mixte à grasse. Donc ouais, direct. Tu préférerais être habillée comme un sac et maquillée comme une star ou être maquillée comme une merde et être super bien sapée c'est mieux. Préférerais être habillée comme un sac. Moi j'irais super bien habillée et maquillée comme une merde. Hein, je pense. Non c'est pas, je pense si je suis sûre. Parce que... Enfin je porte des lunettes déjà donc même quand je fais des super maquillages de ouf il y a personne qui voit rien. Donc je ferais de la merde, ça se verrait pas non plus, alors que les vêtements c'est ce qu'on voit en premier. Donc juste pour ça, ouais. Ensuite, tu préférerais à vie sentir fort des aisselles et avoir une... Ou avoir une anaise... Tu préférerais avoir... Non, tu préférerais à vie sentir des aisselles ou avoir une haleine de chacal. J'irais les aisselles, hein, parce que non, l'haleine, non. Les aisselles. La meuf elle choisit, je préfère puer des aisselles, wouh, n'importe quoi. Tu préférerais ne plus jamais pouvoir te gommer le visage et le corps mais pouvoir t'hydrater ou l'inverse? Ouais, ne plus jamais gommer et puis hydrater parce que je fais pas énormément de gommage mais j'hydrate beaucoup donc ouais, ça va, c'est pas trop trop dur. Tu préférerais vivre entourée de femmes maquillées et pas toi ou être entourée de femmes non maquillées et toi l'être? Donc en fait je vivrais avec des femmes toutes maquillées, toutes super belles et moi je ressemblerais à un thon. Donc déjà maquillée c'est pas terrible, mais alors pas maquillée c'est pas possible. Ou sinon je serais maquillée trop bien et les autres elles seraient pas maquillées mais du coup ça serait moi l'extraterrestre. Ça dirait regarde si elle commence à péter, elle se maquille, s'il te plaît quoi. Bah non, moi je dirais je reste maquillée et les autres pas maquillées. Tant pis si les gens pensent que je suis une extraterrestre, tant pis hein, écoute. J'aime tellement ça me maquiller que de toute façon je pourrais pas faire sans je pense. Enfin si je peux vivre sans mais non. Je décide d'être maquillée et les autres non. Tu préférerais avoir des yeux bleus translucides avec des cils très peu fournis et pas recourbés ou avoir les yeux marron ternes et des cils ultra beaux et fournis, pas besoin de mascara. Des yeux marron parce que déjà moi je trouve ça beau. Bon même s'ils sont ternes, les miens je les trouve pas, enfin quoi qu'ils sont quand même vifs les miens. Bah non, quand même des yeux marron terne et des super cils de ouf, j'aimerais trop. Tu préférerais qu'on puisse t'offrir 20 produits pas chers mais par mois... Non, Tu préférerais qu'on puisse t'offrir 20 produits pas chers par mois ou 5 produits de luxe par mois? 20 produits pas chers. Parce que je préfère la quantité et la qualité. Ok. Non, bah ouais, 20 produits parce qu'au moins je peux tester plusieurs marques et tout et ça tue. Enfin, il y a toujours des trucs à prendre. Moi j'aime bien avoir plein de trucs étalés sur ma table pour me maquiller plutôt que 5 produits de luxe que déjà je vais peut-être pas aimer.
coûter la peau du cul. Non, franchement, je préférais avoir 20 produits pas chers. Donc voilà, ce tag est terminé. C'est vrai qu'il était assez dur quand même. Il y a des questions où on se demande où ils ont été les chercher, mais c'est pas grave. Je vous invite vivement à répondre à toutes ces questions en commentaire. Je vous le demande vraiment, vraiment. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne pour vous, pour voir si on est différente ou si on se ressemble. Voilà, je tenais à vous remercier aussi parce qu'on a dépassé la barre des 3000 abonnés. Et je suis super heureuse, donc merci beaucoup. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!